Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo unboxing diamond painting et point de croix. Voilà, il y a les deux dedans aujourd'hui. Alors c'est unboxing de la boutique New Craft Day. Voilà, ils m'ont contacté il y a quelque temps. Alors je vais vous dire ça. Je remonte l'email. Alors, le 23 juillet, voilà, donc ça fait une quinzaine de jours maintenant que j'ai... Non, il a fallu une quinzaine de jours, je crois, à peu près, pour que je reçoive le colis. Et donc, j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer... Alors, il y a deux DP et un point de croix. Voilà. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, c'est en diamants spéciaux. C'est pas un très grand. Voilà. De toute façon, maintenant, vous savez que je ne prends plus de grand. Alors, comme d'habitude, il y a le petit kit qui va bien, le stylet, le petit plateau, la petite colle qui est de l'autre côté. Les petits diamants spéciaux, alors qui sont dans des petits sachets zippés, donc ça c'est bien, voilà, un bon point. Déjà, oh, j'ai une sale tête, oh là là. J'ai une sale tête parce que j'ai regardé les vidéos de ce jeune homme dont je vous parlais dans ma vidéo d'hier. Donc, qui maintenant n'est plus là. Et donc, j'ai regardé les vidéos parce que tous les motards ont refait une réunion, un rassemblement devant la maison de sa maman aujourd'hui. Et donc, bon, moi, j'y suis pas allée, mais mon fils y est allé. Et donc, il a pris des vidéos, puis d'autres personnes ont pris des vidéos. Et la sœur de ce jeune homme a pris la vidéo, donc pour passer la frontière, ils habitent juste à la frontière en plus, hein, passant la frontière, et elle a pris la vidéo quand elle est arrivée, ils sont arrivés donc côté français à sa maison, tous les motards étaient là, mais alors il y en avait une, je sais pas combien, mais tous les motards étaient là, moteur en route, les casques levés et tout. Donc rien qu'à regarder la vidéo, je vous jure que ça serre le cœur. Et ce qui a serré encore plus le cœur, c'est quand la famille a enlevé du coffre le fauteuil roulant de ce jeune homme. Et ils l'ont levé au-dessus de la tête pour montrer que ben, ce jeune homme n'est plus là. Donc c'était... du coup, aujourd'hui, j'ai un peu les yeux rouges. Mais voilà. Mais maintenant, bon, il est au paradis. Il ne souffre plus. Mais comme je disais, je connais pas du tout ce jeune homme. Mais bon, j'ai un petit cœur. Alors, donc je disais, c'est des diamants spéciaux. Alors, il doit y avoir 10, 12... 12 couleurs, je crois. Oui, je crois qu'il y a 12 couleurs. On va regarder. Oh là là. J'arrive même plus à lire. 13 couleurs. Alors, voilà, je vous montre. Là, il n'y en a que deux. Les demi. Là aussi. Et après, c'est des strass. Voilà. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Voilà, c'est bien ça. Je croyais en avoir vu que 12 du coup. Donc, je vais vous montrer le DP. Voilà, un hibou. Voilà, vous voyez, il n'est pas très grand. Hein. C'est un 30-30. Donc, je pense même que c'est 25-25, hein, le dessin. J'aime bien les couleurs. Voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos sous la vidéo. Et je vous mettrai également un code promo pour avoir 5% sur votre commande. Ici, alors là, ce sont des perles rondes, donc pareil, toujours le petit kit avec en plus des petits sachets, donc les perles rondes, voilà. Bon, je vais trouver le bout. Faut pas le bout. Le bout. Voilà. Allez, donc là il y a. Oh là là, va falloir changer les lunettes, c'est pas possible. 26 couleurs. Alors, je cherche le bout. Il y a beaucoup d'orange, de jaune. Hein. Une couleur très automnale. Voilà. Ah, il y en a encore un petit bout là. Et voilà. Ah, oh, ben alors, mon œil. Bon, ça y est, je rangerai après. Alors, ici, donc c'est un 40-30. Oh, j'ai un truc qui me brûle dans l'œil. J'ai désinfecté mes mains tout à l'heure à l'alcool. Et maintenant, j'ai brûlé mes yeux. Voilà. Alors. Ça brille, voilà, comme ça. Un petit champ avec des citrouilles et un épouvantail, des tournesols. Bon. J'ai eu du mal à choisir. Oh là là, c'est pas vrai cette taille. J'ai eu du mal à choisir ce que je voulais. Que comme vous savez, bon, j'ai déjà eu beaucoup de choses, j'ai déjà beaucoup de kits, j'ai déjà, alors, au bout d'un moment, j'ai du mal à choisir. Donc voilà, ça c'est pour les DP. Ensuite, pour le point de croix. Parce que bon, comme ils avaient du point de croix, elle m'avait proposé aussi du point de croix. Donc bon, celui-là, je ne vais pas le faire tout de suite, hein, puisque vous avez vu sur ma dernière vidéo, les grilles, les ouvrages. Donc ça se présente comme ça.
Voilà, ça c'est le motif. Je vais vous mettre à l'endroit, ce sera mieux. Donc là, c'est la toile fait 35 sur 45, voilà, et ça c'est le dessin. Mais ça, mon œil veut pas, hein. Oh. Alors, où que la grille est petite. Ah, ça va, il n'y a pas le fond à faire. Ça a de gagné. Donc voilà la grille. Donc il n'y a vraiment que le dessin. Le fond n'est pas à faire. Alors, vous allez dire, oui, le fond n'est pas à faire, mais tu vas avoir un problème. Mais non, je vais vous montrer après. Donc ça, c'est les cotons pour broder. Donc ils sont sur, sur un carton comme ça. Ça va, il n'est pas très grand. Hein. C'est bien, j'ai bien choisi. Je ne voulais pas très grand. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est oui, mais tu n'as pas le fond à faire. Mais il y a tout ça. Oui. Alors, les... Ah, mais il y a une aiguille avec. Il y en a deux même. Alors, les broderies comme ça, quand vous avez... Alors là, il marque en anglais, mais... quand vous avez terminé votre ouvrage, terminé, hein, ne le faites pas avant. Quand vous avez terminé votre ouvrage, il suffit de le mettre dans l'eau. Vous allez le tremper dans l'eau. Je crois que c'est l'eau froide. Hein, attends. Ouais, bah, il ne précise pas si c'est l'eau froide ou l'eau chaude, mais je pense que c'est dans l'eau froide, ça suffit. Vous allez le mettre dans l'eau froide et tout va s'effacer. Tout ce qui est ce qui était coloré, des traits, des chiffres là, tout va s'effacer. Les écritures sont solubles, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc tout ça, ça va partir. Donc il ne restera que votre broderie. Voilà. Donc quand vous prenez quelque chose comme ça, n'ayez pas peur de dire, ah oui, mais il y a un quadrillage et là je ne dois pas broder, donc ça va se voir. Non, n'ayez pas peur, quand vous avez terminé de broder, un petit bain et tout va s'effacer. Voilà. Après vous n'avez plus qu'à la mettre à sécher, bien sûr, à plat, c'est mieux. Et un petit coup de repassage, et voilà, c'est tout. Donc là, bon, je le ferai un peu plus tard, celui-là. Alors, par contre, combien de fils il faut pour... Alors, celle-là, je ne sais plus si c'est une toile de 14 ou de 11. Je ne sais plus ce que j'ai... Si j'ai choisi 14 ou 11. Non, c'est une 11. Alors, une toile de 11, je dois travailler avec 3 fils. Voilà. Quand c'est une toile de 14, vous travaillez avec 2 fils. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand vous avez terminé, je vous répète, vous mettez dans l'eau, tout va s'effacer, vous mettez à sécher, vous, un petit coup de fer, vous l'encadrez, hop, terminé. Voilà. Donc, quand je serai pour la faire, je vous le montrerai. Au fur et à mesure, et je vous montrerai aussi la partie quand je l'aurai terminé. Ça, bon, c'est pas tout de suite, hein. Quand je l'aurai terminé, je vous montrerai le moment où on fera dans l'eau pour effacer les traits. Voilà. Donc
Je vous rappelle la boutique, donc c'est New Craft Day. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens de la boutique, les liens des articles que je vous ai présentés et le code promo pour que vous puissiez bénéficier de 5% de réduction sur la commande. Donc, sur cette boutique, ils font donc du diamond painting, voilà. Ils font du point de croix et ils font aussi de la peinture par numéro, si ça vous intéresse. Moi, j'en avais fait, mais je n'adhère pas à ça. La peinture au numéro, j'arrive pas à adhérer. Mais bon, chacun fait comme il lui plaît. Hein. Donc, voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.